Là, il va falloir que je répétisse, que je ralentisse, que j'aille prendre le Cyberman. Je redeviens normal. Ah, il y en a quatre. Ok. Bon. Cordel. Cordel. T'es où? T'es là? T'es là. Voilà. Tu restes là. J'ai dit. Toi, tu vas là. Et tu regrandis. Ok. Cool taille. Tu vas là. Et tu regrandis. Et toi, tu vas là. Tu reviens là. Ça fait travailler les abdos, tout ça. Ok. Suivant. Tu vas là. Grimper là-haut d'abord. Ah si, tu peux. Troisième, il n'y a plus qu'un. Tu vas là. Comment on fait là? On peut pas y aller. Comment je fais? Je peux pas y aller. Y'a rien. Ah bah si, je peux. Voilà. Ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Vous êtes libre, petit homme. Libre. Et en sécurité. Et voilà. Vous allez repasser. Fini les bonnes pas de manière. Je suis un peu dans le... Je crois que j'y suis chelé. On tape pas les vieilles là. Vous ne pouvez pas nous séparer. Un seul nous sommes. Un seul nous resterons. Mais eux, tu vas voir.
T'as été gentil, toi. Toum, 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 toum. Aspect Robin. J'ai pas trop compris, il y a eu un petit bug. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors là ça va. Après les couleurs et l'agrandissement qui est un peu relou. Je suppose. Oula, il a bugué là. Il a bugué. Paraître. C'est l'heure de faire parler la justice. J'ai cru que je pourrais pas le revoir. Allez, il dormait. Voilà. On casse tout. Impossible. Ah si, on casse tout. C'est quoi ce délire? Ok. Il faut un élément de feuille. Ben voilà un éléphant de feuille. Et ben là, il faut un élément couru. Petit peu de jus. On alimente la bête. La bête. Après, il faut un petit élément de feu, mais je vais prendre Batoney. Parce que Batman, il faut vachement plus mieux pour le combat. Et la maniabilité. Ok, c'était pour lui, c'était Coulta qu'il fallait prendre. D'accord, j'ai compris. Toi, tu vas là, et Coulta, tu vas là. On la met en position d'acceptation. Se prendre des coups de feu partout, petit coup de flamme. Là, je suis pas encore vous dire de règles. Hein. On alimente encore le bestio. Il reste piquant normalement. Ah non. Pas suffisait, que 3. Ok. Batman ne servait à rien dans le cas-là. C'est pas grave. C'est le deuxième truc le plus crétin que j'ai vu de ma vie. Mais bon, ça, c'est fait. Ouais, dis-vous. Voilà. Ouais, ça sent Lord Vortac à plein nez. Je sentirais presque le goût de l'hostilité qui en émane. Eh bien, mon goût à moi, c'est celui de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Tout est en train de s'effondrer! J'espère que notre ami Expo a aussi songé à une issue pour nous. Il y a intérêt. Trois fois la vengeance.
Ok. La fin du 3, niveau terminé! Ok, bon, bah, je suis pas à 100%, hein. Noté 80, 85. J'ai toujours pas Frodon. Qui dure 3, je crois. 4! Ah, ça va pas mal. Une brique jaune en plus. Et on continue l'histoire. Vous avez détruit le fragment de Vortec ? En effet. Mais si un seul fragment de Vortec peut provoquer tout ça, il nous faut des renforts. Des renforts ? Je veux parler de nos nouveaux amis. Et peut-être aussi d'un ennemi. Ah. Et ce sont tous. De notre monde est proche. Le jugement dernier. Oui, mais en pire. Je vous expliquerai. Le docteur. Zygon. Merci pour le coup de main. Ces toiles de Zygon, il y en a partout. Jeux vidéo. Univers court un grave danger. Ça doit vouloir dire je peux vous aider en langage vaisseau. Vous revoilà. Je vous ai manqué. On a besoin de votre aide. De l'aide. Ah, ah, ah. Dites ça à mon noyau de moralité. Oh, suis-je bête? Je n'en ai plus, on me l'a remplacé par un noyau d'amoralité, en fait. Ce qui va infiniment me faciliter la tâche pour m'occuper de vous. On devrait la voir sous un meilleur jour à partir de maintenant. Vous parlez comme une simple d'esprit, avec une coiffure débile. Quoi ? Hé ! Le noyau de moralité me limite seulement dans mes mouvements, pas ma pensée. Enlevez la cible. D'accord, quand vous nous aurez aidés. Que vous voulez réparer. Voilà. Je voudrais faire désinstaller mon noyau de moralité. Bien tenté. Tenez, vous pouvez l'arranger ? Pas de problème. J'ai eu un chien qui faisait tout le temps ça. C'est vrai en plus. Excellent. Bien joué. Klaados. Vous avez trouvé un moyen sûr de nous renvoyer sur Fondation Prime. Oui. Ne vous tracassez pas. J'ai 0% de chance d'être endommagé. Oh, pourquoi se fatiguer ? Lord Vortec tire toutes tes ficelles qui tiennent le monde. Il est invulnérable. Mais s'il n'était pas dans un monde, rappelez-vous quand il nous a piégés. Ah, ce qui est bon pour les uns et pour les autres, n'est-ce pas ? Ça peut marcher. Eh, une petite minute. Vous voudriez emprisonner Lord Vortec dans une boucle de fade ? Il faudrait que ce soit impeccable. Pas comme cette chose mal fichue dont je vous ai extrait. Vous pouvez le faire ? Je suis le docteur.
Je devrais en être capable. Avec 4 ou 5 sucres, docteur. Allez, Expo. Ok, nous on va distraire Vortec. Et pas ça en fait du monde, hein, tout ça. Et bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Normalement, j'aurais coupé cette vidéo en deux parce qu'elle est très très longue. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao, ciao tout le monde et merci d'avoir suivi.